Donc, tu m'as dit qu'on ne peut pas vivre avec la, on ne peut pas vivre l'amour. Comment? Comment? Toi, tu penses qu'on peut vivre comment? Mais c'est l'amour, on vit l'amour, on s'aime. À 18 ans, on vit. Donc, attends. Donc, ça veut dire que quoi? Donc, ça veut dire que donc, ça, ce n'est que valable qu'à 18 ans. Entre 15 et 18 ans. Donc, à 18 ans, ça finit. Max, tu Pourquoi? Qu'est-ce qui change à 18 ans? Tu commences à ouvrir les yeux là. Ouvrir les yeux sur quoi? Je vais faire un petit resto, les petits trucs que tu fais papa et maman. Tu t'amènes au resto, manger les petits bisous. Après, c'est fini. Mais qu'est-ce qui change à 18 ans? Là, les vrais problèmes de fond se posent, que la personne est fatiguée. Dans l'amour fini. Ça finit. Dans ce qu'on voit à la télé là, c'est quoi alors? C'est là, heureusement que tu as parlé. Mais il nous disait qu'il faut s'aimer dans l'amour, oui, de l'amour. Oui. Je suis d'accord, à 17, à 15, 18 ans. Et qui? Papa et maman que tu chantes les chansons d'amour dans le cahier. Astia. Astia. Vous avez dit que si tu as ta fille, oui, et qu'elle aime un gars fort, oui, mais il n'a rien dans la poche. Mais je vais tout faire pour garder. Donc tu gâtes. Est-ce que c'est bien? Attends, il y a deux choses. Le gars, il est de bonne moralité. Oui. Le gars, il se donne les moyens pour réussir. Ouais. C'est très bon. Ouais. Vous cheminez ensemble. Que ça arrive même jusqu'à 25 ans, 30 ans. Vous êtes ensemble, le gars fait des études. Toi, tu fais des études, elle fait des études. Ouais. Vous avez un avenir. Un petit voyou que je vois ici, au petit voyou. Et bien, il dit qu'il aime ma fille. Moi, je vais le regarder parce que c'est l'amour. Tu veux tout gâter. Mais le but, c'est pas qu'elle soit heureuse. Heureuse de quoi? Tu écris heureuse là comment? Mais le but de la vie, c'est d'être heureuse. Asia. Asia. Bon, et si c'est un gars qui fait l'école seulement alors? Tu dis que lui fait l'école. Il y a une qui est ambitieuse. C'est pas l'école, des écoles que je vois là, les licenciés de 15 ans de diplôme. Après la licence, on sait pas quoi faire, on sait pas quoi faire. Si il est paumé. De toute façon, tu dis que tu aimes un homme. Tu es ma fille. Tu dis quand même ici d'abord. Ah. Il vient ici à la maison. On va d'abord discuter. Moi, c'est d'abord moi, parce que toi, tu ne vois rien. Tu es aveugle, tu es jeune. C'est le rôle des parents. Ah, mamie. Mais l'amour, c'est deux personnes. Ah, sia. Qui est déjà dit ça? Mais c'est quand ils sont à deux que tu es là. Ah, sia. Et anti. L'amour, c'est deux. Je vais d'abord dire à mon enfant, parce que c'est ça qu'on appelle enfant de famille. Mm-hmm. Parce qu'il ne faut pas tout confondre entre les enfants de famille et les enfants qu'on ramasse comme ça là. Mm-hmm. Un enfant de famille. Tu as 18 ans, tu as 20 ans, même comme Paloma est là. Le jour qu'elle me dit, j'ai quelqu'un qui a venu ici. Je veux savoir. Mais oui, tu vas faire comment pour savoir? Lui, il parle avec les gestes. Tu fais comment? T'inquiète pas, il aura les moyens. Le jour là, je vais trouver les moyens. Tu me connais pas. C'est ça qu'on appelle enfant de famille. C'est la différence qu'il y a entre un enfant de famille et les enfants que vous laissez dans la rue là. Que la rue ramasse. Et puis, il y en a qui s'en sortent comme ça là, comme. Parce qu'elle a eu la chance, lui a une étoile qui se. Hein, il s'en sort. Mais la majorité, ils finissent toujours un peu bizarre. Un enfant de famille, on lui donne une éducation, on lui donne des valeurs. Il voit comment. Parce que quand on devient parent, les enfants grandissent, on a des valeurs. Ce n'est pas les valeurs que tu tapes la bouche, c'est les valeurs en toi-même en montrant l'exemple toi-même en tant que parent. Donc, un parent qui va rester là tous les jours, il n'est pas à la maison, il sort, waka waka, monter, descendu, tu vas enseigner quelle valeur à ton enfant. C'est pas ça la vie. Mais tu dis à l'enfant de faire ce qu'il te dit. L'enfant fait ce que tu lui dis de faire. Et ça, l'enfant est obligé de faire ce que tu lui dis. Parce que toi-même, tu es crédible. Toi-même, tu es crédible. Un enfant, pour évoluer, il a besoin d'un environnement sécure. Mm-hmm. Voilà. Et donc, pour ça, c'est les parents qui sécurisent les enfants. Tu viens là, tu as 15 ans. Moi, je suis ton bouclier. Moi, la mère, c'est moi le bouclier de mon enfant. Donc, tu viens là avec quelqu'un là. Moi, je dis oui. Je vais pas dire non. Mais t'inquiète pas, je vais l'inviter, je vais voir comment il est. En fonction de ce que je vais discuter avec l'enfant, je vais te mettre en garde. Et si c'est pour mes filles, je serai intransigeante, alors pire même. Et pourquoi avec les filles, tu es intransigeante et les garçons alors? Bon, j'ai pas trop besoin. Parce qu'au contraire, c'est la fille qui vient qu'elle soit heureuse de vous avoir. Parce que. Hé, hey, les poids, mon ami! Donc, si elle vient, elle fait pour moi, elle a beaucoup de chance. Je vais lui dire, voilà une chanceuse. Eh oui, et j'ai besoin de savoir qui elle est pour essayer de voir si vraiment tu mérites d'être avec mon enfant.